La commune de Lornan dispose d'une salle municipale, la salle des fêtes, qui remonte aux années 60-70, donc construite dans les conditions de l'époque et qui aujourd'hui ne répond plus aux besoins des utilisateurs, et surtout, dont surtout l'utilisation représente un gouffre financier du fait que cette salle est très gourmande en énergie. Depuis déjà 2 ans, 3 ans, la municipalité réfléchit à la rénovation de cette salle. Notre réflexion s'est trouvée encouragée et boostée par le fait que la commune a été lauréate à l'appel à projet régional, donc dans le domaine de la revitalisation des centres-bourgs. C'est effectivement la première fois que la paille va être utilisée dans la rénovation d'un bâtiment public. Ce matériau a été utilisé donc lors de la construction de bâtiments neufs. On connaît Christinic, on connaît Muel, où des expériences ont déjà été conduites avec succès. Nous sommes aussi appuyés sur l'expérience de Bruded, qui connaissait ses réalisations. Nous avons organisé des ateliers participatifs où les habitants de la commune ont été invités à venir dire leurs besoins, leurs attentes ou ce qu'ils aimeraient voir améliorer dans le fonctionnement de cette salle. Aujourd'hui, donc, le permis de construire a été accordé. Là, nous en sommes à la rédaction des marchés et l'appel auprès des entreprises, l'appel d'offres, donc, va être lancé là début mai. Thank you.